Merci à vous d'être là aujourd'hui. Je suis la grande sœur d'Ibrahim Abba. Aujourd'hui, nous allons marcher ici à Sarcelles, dans la ville qui a vu grandir mon petit frère, Ibrahim Abba. Nous allons marcher avec honneur, parce que mon frère était honorable. Mais surtout, nous allons marcher pour montrer que non, on n'oublie pas. Nous allons marcher ici à Sarcelles pour faire savoir à ces policiers qui ne méritent pas leur uniforme que non, on n'oublie pas et on ne pardonne pas ce qu'ils ont fait ce 6 octobre 2019 aux alentours de 17h à Villers-le-Bel. Selon de nombreux témoins, alors que mon frère circulait à moto, ils lui ont barré volontairement la route et provoqué sa mort. Mais heureusement, nous ne sommes pas seuls pour affronter ce combat. Celui du déni de la justice, celui du déni de l'État face à ces impunités policières. Merci à tous d'être si nombreux ce jour. Parce que les bikers, à chaque fois que je les vois, j'ai l'impression de voir mon frère. À chaque fois que je les vois, je me dis pourquoi est-ce qu'on tue des gens qui peuvent créer tant d'émotions. Là, je suis bien. Quand je les ai vus, les mecs, j'ai vu mon frère, Ibo. Ibo. Je sais qu'il nous entend, même s'il ne répond pas. Comment on peut tuer des êtres humains comme ça? Parce qu'ils exercent leur passion. Une passion légale. Ibo! Pourquoi on part d'ici aujourd'hui, de l'avenue 8 mai 45, à Sarcelles, là où Ibo s'est fait? Certains disent le mafé m'a fait. Nous on dit Sarcelles nous a fait. Sarcelles a fait Ibo. 8 mai 45, c'est l'avenue principale de notre ville. Et pourquoi on part à cette hauteur-là? Parce qu'il y a la maison de la justice. Vous savez dans quel secteur il y a des maisons de la justice? En général, c'est là où il n'y a pas de palais de justice. C'est là où il n'y a pas de justice. C'est là qu'on met des maisons de la justice. Il n'y a pas de justice. C'est un amour, mon frère. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là seulement pour dénoncer l'injustice et le délit de justice. Nous sommes là pour que vous sachiez qui était Ibo. Ibo, c'était une perle. Ibo, c'était le meilleur d'entre nous tous dans la famille. Nous sommes tous fiers qu'il ait était de notre famille. On ne l'oubliera jamais. Depuis qu'il est parti, nous nous sommes oubliés. Je n'existe plus. Ma soeur Adja n'existe plus. Ses enfants n'existent plus. C'est malheureux. Mais on nous oblige à agir ainsi pour qu'on soit là aujourd'hui avec vous et trouver la force de dénoncer. Je suis en feu. Mais je ne peux pas pleurer. Parce que si je pleure, ils vont nous enculer. Oh, ben